J'ai connu des îles dans le monde entier, Jacques, Alain ou Gilles, je les ai quittés. Des mers et des terres que je pourrais faire un peu de... D'exercice. Mais pour Marie-Paul Bell, la chanson est avant tout un travail d'équipe. C'est avec la romancière Françoise Mallet-Joris et Michel Grisolia, un ami d'enfance, que s'élabore texte et musique. Qui aurait prédit ce que tu devins? Ah oui, alors là, il y a un truc, si vous pouviez, mes chéris, me changer magicien, parce que ça colle pas bien là. En général, on part sur une musique de Marie-Paul plutôt, parce que comme ça, elle est à l'aise, elle est plus à l'aise, elle se sent pas prisonnière de nos paroles en fait. On est plus à l'aise aussi. Pour un écrivain, c'est très agréable de faire des chansons parce que c'est quand même toujours le travail, puis c'est un dépaysement complet. Ça permet de traduire des émotions qui sont plus brèves, de traiter des sujets qui ne se prêteraient pas à un travail d'une grande étendue. Des années 20, quelle aile de vin, qui aurait prédit ce que tu... Sur scène, ce qui est, je crois, agréable pour le spectateur, c'est qu'on mélange les climats des chansons. On peut aussi bien faire alterner une chanson très romantique et pathétique et même quelquefois triste avec une chanson tout de suite qui suit après, qui soit une chanson gaie ou même très drôle. Et je crois que c'est ça que le public aime, c'est qu'il puisse s'identifier dans des moments d'humeur très différents et en même temps ne pas être lassé, parce qu'en trois chansons se suivent et qu'elles ont le même climat, c'est très ennuyeux. Donc je crois qu'il faut varier les ambiances tout le temps. Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais pu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, je me suis pas dans le vent. C'est navrant, aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, je ne suis pas MLS, je sens qu'on m'en fait guise.